Commencer nos travaux dans ce conseil municipal un peu inédit par rapport à son horaire et je l'espère par rapport à sa durée. Je vais commencer par l'appel des présents. Donc je suis présent, Guy Lafitte, présent. Jocelyne Castagnède, présent. Guillaume Baruc. Présent. Nathalie Motsch, elle a pouvoir à Patrick Destizon, Peyo Clavry, Françoise Mimiag, François Migorena, Régine Daguerre, Michel Pouet, Gislaine E, Patrick Destizon, Édouard Chazouillère, Madame Ricord a donné son pouvoir à Guy Lafitte, Alain Robert, Janine Blanco, Hervé Boissier, Brigitte Pradier, Louis Vial, Mayalène Etcheverry, Virginie Lanevert a donné son pouvoir à Gislaine E, Anne Pinatel, Frédéric de Badiancourt, Laurent Ortiz, Éric Bonamy, Nathalie Sozo, Sylvie Clarac m'a donné son pouvoir, Max Brisson, Madame Darrigade a donné son pouvoir à Monsieur Brisson, Frédéric Domège, Maïder Arostegui, Jean-Benoît Saint-Cric, Pierrette Echeverria, Richard Tarditz a donné son pouvoir à Madame Ontas, Marie Ontas est donc présente. Bien, vous avez trois listes ont été déposées pour l'élection des conseillers communautaires, qui sera le troisième point de notre ordre du jour. La secrétaire de séance, en l'absence de Madame Clarac, sera Madame Sozo, qui est la benjamine de l'Assemblée, je crois. Peut-être toi. Je ne sais pas trop. Je crois que c'est Madame Sozo. Non, ne donnez pas vos dates de naissance. Voilà. Hein? Bon, voilà. Et donc, on va prendre le premier point de l'ordre du jour. Alors, vous avez compris que le premier point de l'ordre du jour et le second sont en fait liés l'un à l'autre. Le premier point de l'ordre du jour, en réalité, c'est de vous demander donc l'autorisation de délibérer sur une question qui est une question effectivement urgente et qui concerne le projet européen LIFE-LEMA, qu'on va présenter tout à l'heure, si vous acceptez du moins que nous délibérions en urgence. Ce projet, vous le savez, est un projet, j'aurai l'occasion de présenter tout à l'heure, concernant la récupération des déchets aquatiques flottants dans le golfe de Gascogne. Il faut que la ville de Biarritz, qui est associée à ce projet avec le Guipuscoa, avec Suez, avec Asti Technalia, avec Surfrider, avec Costa Garbia, évidemment, signe la convention afférente à ce projet. Nous aurions dû présenter cette délibération lors du conseil municipal précédent, c'est-à-dire le 20. Il y a eu un bug, voilà, il faut le dire, les choses. Et donc, simplement, il faut qu'on le présente rapidement, parce que cette convention doit être signée rapidement. Donc, ma première délibération, c'est de se prononcer sur cette urgence et je vous demande donc de valider le caractère d'urgence de cette délibération qui sera présentée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des objections? Il n'y en a pas. Donc, oui. Abstention. Donc il y a une abstention cette délibération donc va être examinée. Alors, nous y venons. De quoi s'agit-il? Il s'agit effectivement pour la ville de Biarritz d'intégrer ce groupe composé du Guipuscoa, je le répète, d'Asti Technalia, de Rivage Protect, de Suez, de Surfrider et du syndicat Costa Garbia. Ce projet est un projet qui s'établit dans le cadre du programme européen LIFE pour l'environnement et l'action pour le climat. Vous savez que LIFE, est un total de 2 millions d'euros, dont 1 million 200 000
cofinancé par l'Union européenne. Et l'AIFLEMA offrira un guide méthodologique et des outils intelligents aux autorités locales pour la gestion efficace des déchets aquatiques flottants. Et vous savez que c'est un sujet qui est un sujet qui nous préoccupe beaucoup depuis plusieurs années. Face à la qualité des eaux de baignade, nous sommes confrontés à deux défis. Le premier est un défi bactériologique, c'est-à-dire il faut effectivement que nous ayons des eaux qui soient des eaux sans aucune, ou moins possible en tout cas, de risque bactériologique. Et je pense que sur ce point-là, nous avons fait d'énormes progrès grâce à l'amélioration de l'assainissement sur l'agglomération. Et le deuxième sujet, c'est effectivement les déchets aquatiques flottants contre lesquels nous luttons depuis plusieurs années, avec plusieurs barrages en quelque sorte, depuis les rivages même, 100 mètres, 300 mètres avec Costa Garbia. Mais là, il s'agit de passer à la vitesse supérieure, de changer de braquet. Je vous signale que l'Agence européenne de l'environnement estime à 10 millions de tonnes de déchets aquatiques déversés dans les mers et les océans du monde, avec les conséquences que ça a, bien évidemment, surtout les déchets d'ailleurs plastiques, les conséquences que ça a non seulement pour l'environnement, mais pour l'économie et la santé. Vous savez que beaucoup de poissons ingèrent ces déchets, ce qui effectivement est un risque sanitaire extrêmement important. Et donc l'AIFLEMA, c'est la volonté de s'attaquer sérieusement à ce problème avec les partenaires que je vous indiquais tout à l'heure. Concrètement, ce projet va contribuer à l'implantation par chaque pays membre sur son territoire des mesures approuvées en 2016 dans le cadre du programme de mesures de la stratégie marine. Il permettra d'avoir, avec les bateaux de pêche, des aménagements de ces bateaux pour que ces bateaux de pêche, dans l'océan, collectent ces déchets, des barrières flottantes qui seront installées pour l'analyse de blocage dans les estuaires, des systèmes d'efficacité énergétique implantés sur les bateaux adaptés à la pêche de déchets, et puis également des études qui seront faites sur l'accumulation de déchets, l'utilisation de caméras vidéo placées dans les estuaires de l'Adour et de l'Oriot, au Guipuscoa, des drones pour superviser aussi l'arrivage de déchets. Vous savez que la lutte contre ces déchets flottants a besoin effectivement de repérages aériens, et ces repérages aériens seront faits par des drones. Voilà ce programme, qui est un programme extrêmement ambitieux et que nous avons présenté de manière officielle le 22 décembre dernier à Saint-Sébastien. Et il faut signer cette convention. Et lorsqu'à la fin de la présentation, on m'a dit « Monsieur le maire, il faut signer la convention », j'ai dit « Écoutez, je ne peux pas la signer parce qu'il y a le conseil municipal qui doit en décider ». Et donc c'est la raison pour laquelle, ayant l'opportunité de ce conseil municipal du 28, j'ai proposé qu'on délibère sur cette question aujourd'hui. Vous savez que la contribution de la ville, les coûts totaux de contribution de la ville dans ce projet qui va durer 3 ans, seront de 213 913 euros, allégés par la subvention de l'Europe. La subvention de l'Europe est de 94 798 000 euros, c'est-à-dire qu'il restera pour sa participation, la ville, 119 115 euros pour travailler sur ce projet avec les partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Je crois que, moi je suis très fier finalement que la ville de Biarritz participe à ce grand projet européen, d'un sujet qui nous alarme depuis des années, véritablement. La capture des déchets aquatiques est une capture qui est très, très difficile, parce que, vous le savez, il y a des phénomènes de courant, vous le savez, il y a des phénomènes de vortex et autres qui font que ces déchets ne sont pas toujours visibles. Là, c'est la première fois qu'il y a eu une véritable ambition pour traiter ce problème qui nous empoisonne, il faut bien le dire, pour traiter ce problème-là avec nos amis du Guipuscoa, avec les autres partenaires, avec Costa Garbia et son président Alain Rousset, le maire de La Rousset. Ah, j'étais pas loin. De Guétari, j'étais pas loin, voilà. Bon, ben, je sais pas, j'ai roussé dans la tête, hein. C'est curieux, hein, quand même. Allô, docteur Freud.
Bon, voilà. Donc, moi, je suis très fier que la ville contribue à cette opération qui, enfin, mettra des moyens solides et costauds dans le cadre européen pour capturer ces déchets, ces macro-déchets flottants. Est-ce qu'il y a des questions, des observations, Monsieur Brisson? Monsieur le maire, bien sûr, pour vous accompagner dans cette ambition qui est forte, pour nous réjouir également qu'enfin l'approche transfrontalière soit connue et reconnue, parce que longtemps elle était quasiment niée. Chacun traitait nos problèmes des deux côtés de la frontière comme si les eaux ne se mélangeaient pas. Une simple remarque, c'est une fois de plus en matière de coopération transfrontalière, le côté asymétrique des partenaires, la ville et la députation forale du Guipuscoa, ça interroge beaucoup sur notre organisation, sur notre répartition des compétences. Et donc, très souvent, ce côté asymétrique des coopérations transfrontalières les rend difficiles. En tout cas, la ville de Biarritz est leader sur le sujet, c'est une excellente chose, mais ça interroge quand même beaucoup sur, voilà, sur la place de la ville de Biarritz dans ce projet-là, même si il ne faut pas laisser la place vacante, et donc il fallait en être. Okay. Il y a Costa Garbia quand même, hein? Oui. Bon, qui... Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur Amigorena. Oui, Monsieur le maire, j'aurais souhaité quelques précisions dans la convention qui nous est soumise. Au paragraphe 4B2, il est défini donc les responsabilités de la ville de Biarritz, qui serait donc responsable, selon le texte que j'ai sous les yeux, de la mise en place de l'action A2 et de la mise en place technique des actions B1, B3, B6 et j'en passe. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que sont que ces différentes actions pour que nous puissions tous voter en connaissance Madame de cause Chabot, est-ce que vous avez des explications là-dessus? Voilà. Chers collègues, cette convention est surtout une convention qui indique une volonté de participation à cet effort-là. Bien évidemment, il y a des tas de considérations techniques qui devront être précisées au fur et à mesure que cette affaire avancera. Voilà. Je crois que l'important aujourd'hui est de manifester au travers de cette convention notre volonté de nous engager dans des conditions financières qui sont précisées très clairement par la Convention. Après ça, évidemment, sur les aspects techniques d'application de cette Convention, des choses seront précisées et vous en serez tenu au courant régulièrement. Est-ce qu'il y a une autre... Oui, pardon. Oui. Monsieur le maire, chers collègues, je trouve que ce projet est extrêmement important et donc j'en arriverai à le soutenir et à voter pour, sachant que je regrette toutefois l'absence d'un certain nombre de communes riveraines de l'océan, sachant que je regrette aussi la non-implication de l'agglomération, et je trouve que ça aurait été plus significatif. En cela, je rejoins pour une fois M. Brisson d'avoir un équilibre un peu plus important, ceci étant... Je trouve effectivement que la place de la ville de Biarritz est prépondérante dans ce domaine. Merci, monsieur. Merci, mon cher collègue. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc, qui s'oppose à ce projet? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Et vous m'autorisez donc à signer cette convention. La délibération suivante, donc, alors, c'est une délibération en réalité que nous avons déjà votée lors du précédent conseil municipal, le 20 décembre dernier. Elle concerne, vous savez, la décision que nous avons votée à l'unanimité le 20 décembre dernier de la conservation de l'exercice de la compétence promotion du tourisme
par dérogation à la loi NOTRe et dans le cadre de ce qu'on a, ce qu'il est convenu d'appeler la loi Montagne. Donc la délibération qui vous est soumise est tout à fait la même. Que s'est-il passé depuis le 20? Ce qui s'est passé depuis le 20, c'est que le texte, ce fameux texte, qui avait été le 20, nous savions déjà qu'il avait été adopté par la commission mixte paritaire réunissant le Sénat et l'Assemblée nationale, mais depuis, ce texte a été adopté par l'Assemblée nationale le 21, le lendemain de notre Conseil, le 21 décembre. Aucune modification à ce texte, c'est-à-dire, il dit toujours qu'après avis consultatif, etc., je me trompe de ligne. Bref, que les stations classées 67. Oui, voilà, pardon, excusez-moi. Que par dérogation, je vous passe les articles, une démarche de classement, pour ceux aussi qui ont une démarche de classement en station classée, peuvent décider, les stations classées comme la nôtre, par délibération prise avant la date du 1er janvier 2017, de conserver l'exercice de la compétence promotion du tourisme, dont la création d'office du tourisme. Voilà, donc nous depuis notre délibération du 20, il y a eu l'adoption par l'Assemblée nationale de ce texte. Ça veut dire qu'on est sûr que la loi est votée, donc qu'elle sera promulguée. J'avais espéré qu'aujourd'hui, au journal officiel, le 28, on verrait cette promulgation, mais ça veut dire qu'elle va se faire demain ou après-demain au journal officiel. Nos amis d'Anglet ont voté hier sur la même délibération. Et donc, elle sera en tout cas votée dans les deux ou trois prochains jours, c'est-à-dire au moment où le contrôle de légalité aura rendu exécutoire notre délibération, l'aura reçue et rendue exécutoire. C'est-à-dire qu'on a délibéré le 20 sur le projet de loi, pour dire les choses comme elles sont, et on délibère aujourd'hui sur le texte de loi, véritablement, une fois de plus, dont la promulgation est véritablement, va être prise incessamment dans les deux ou trois prochains jours. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des observations, Monsieur Brisson ? En complément de nos débats précédents, je ne dirai pas à nouveau ce que j'ai dit le 20 décembre, lorsque le législateur s'y reprend à plusieurs fois pour établir une loi, c'est-à-dire la médiocrité du travail qui a été fait en la matière, sur ce sujet, le tourisme, comme sur dans beaucoup d'autres. Je vise, bien entendu, la loi NOTRe. Mais ce n'est pas notre sujet ici. Est-ce que la délibération que nous proposez a son bien fondé, à savoir conserver la compétence touristique et conserver un office communal? Ma réponse est oui. Tout simplement parce que nous avons une marque singulière à défendre, qui, bien sûr, s'adosse au Pays Basque, s'enrichit du Pays Basque et fait rayonner, d'ailleurs, le Pays Basque, en est le phare, mais aussi... Mais c'est une marque singulière qui a son propre rayonnement, sa propre notoriété. Voilà pourquoi je pense que votre proposition, comme celle du maire d'Anglet hier, est fondée. J'étais en revanche surpris par les débats et par l'attitude de la vice-présidente de la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Les partenariats existaient et bien sûr continueront d'exister. Je comprends mal que l'on puisse trouver à travers notre décision une volonté de ne pas être en partenariat avec les autres acteurs du tourisme. Bien au contraire. Nous sommes déjà dans le contrat Destination Golf, y compris avec le comité départemental du tourisme des Landes. Je suis un peu surpris que Mme Derville ainsi ne l'ait pas noté. Nous sommes également en construction d'un contrat de destination Côte-Atlantique, bien entendu avec le CTT des Landes. Nous sommes en construction, et l'Office de tourisme de Biarritz est leader en la matière. Et j'espère d'ailleurs, Monsieur le maire, président d'Office de tourisme, que vous ferez un peu accélérer les feux en la matière. Nous sommes en construction d'un contrat de destination surf qu'il faut réussir, Monsieur le maire. Et peut-être qu'il faudrait voir aboutir au moment de l'année du surf qui va s'ouvrir dans quelques jours. Donc, ces partenariats existent. Notre décision, que je voterai dès demain, n'est absolument pas égoïste, bien au contraire. Notre capacité à travailler ensemble avec les autres offices de tourisme est une réalité. Mais la nécessité
qui est la nôtre, est bien celle de défendre aussi, de promouvoir et d'assurer le marketing d'une marque singulière. Et je pense qu'on peut aller vers une répartition des rôles qui sera de l'efficiente politique publique. La communauté d'agglomération Pays Basque, que j'ai appelée de mes voeux, et dont vous serez certainement un vice-président, monsieur le maire, la communauté d'agglomération Pays Basque a pour objectif, assurera la stratégie de marketing de l'ensemble de la destination Pays Basque, qui a du sens en particulier sur les marchés nationaux. Nous aurons, en ce qui nous concerne, assuré la promotion de la marque Biarritz, en l'adossant autant que faire se peut, autant que cela est nécessaire, mais lorsque cela est nécessaire, parce qu'il faut être pragmatique, à la destination Pays Basque, mais ce n'est pas ici le sujet, la structure que je préside, le comité départemental du tourisme, aura leur mission de se redéployer en agence d'ingénierie au service justement des différents acteurs de la promotion du tourisme en Pays Basque. Et ce travail avec l'Office du tourisme de Biarritz est déjà largement commencé. Mon cher collègue, oui, je vous donne la parole tout de suite. Mon cher collègue, et puis je m'adresse aussi au président du comité départemental du tourisme, avec lequel nous travaillons en étroite collaboration, je ne peux que souscrire totalement à vos propos. Le fait pour Biarritz de voter une délibération, comme le font énormément de stations classées, qu'elles soient de montagne ou qu'elles soient du littoral, le fait de conserver effectivement une maîtrise de son appareil touristique n'étant rien par rapport à la création de l'EPCI unique, une dérobade ou une manière de nous mettre à l'écart de l'ambition de cette intercommunalité unique. Pas du tout. Au contraire, c'est de mieux la servir. Et c'est ce que j'ai expliqué dans les réunions préalables que nous avons eues lors de la préfiguration, et notamment dans la commission que j'animais avec Peyoko Duhar, expliquer que la capacité et la puissance de feu, j'allais dire, de l'Office de tourisme de Biarritz, avec ses 50 salariés, avec ses 5,5 millions de chiffre d'affaires, avec sa capacité aujourd'hui sur tous les secteurs de l'économie touristique, que ça, il fallait que ça reste une force de frappe intacte au profit de Biarritz et au profit du Pays Basque, bien évidemment. Et que c'est dans cette optique-là, dans cette philosophie-là, dans cette orientation politique-là que nous nous situons avec la délibération qui est aujourd'hui présentée. Monsieur Saint-Cricq. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je ne serai pas très long parce qu'en fait, je souscris totalement à ces analyses, que ce soit celle de monsieur Brisson ou la vôtre, monsieur le maire, une fois n'est pas coutume. Mais tout cela pour dire que, sauf à garder une mairie qui soit une coquille vide, il est essentiel, effectivement, de préserver les outils qui nous permettent de contrôler le commerce, l'industrie hôtelière, d'améliorer la situation donc de ces participants, de ces intervenants économiques, et de préserver notre ville. Car le PCI est une bonne chose. Désormais, c'est une chose qui est faite. Donc, il y a eu des débats. Nous ferons avec, effectivement, et je pense dans un souci de collaboration pour que cette PCI soit efficace et finalement fonctionne pour le meilleur de notre région. Mais incontestablement, Biarritz a ses spécificités. Nous les connaissons tous. Et il est évident que la parole des Biarrois doit être entendue, écoutée, et ce n'est évidemment que si leur mairie et leur maire détient les outils et les moyens véritablement de préserver sa ville. Donc je pense que notre délibération d'aujourd'hui est extrêmement importante, comme l'était la précédente, sauf que les raisons juridiques qui nous avaient conduits à nous réunir aujourd'hui une nouvelle fois demeure également, disons, en suspens, puisque ce que vous déploriez et les raisons pour lesquelles vous nous avez convoqués, finalement, hélas, n'auront pas d'efficacité, puisque nous demeurons soumis aux mêmes aléas. Et ça, on peut effectivement le déplorer. Mais ça, malheureusement, sauf à se réunir le 31 au soir,
Ça ne sera pas possible, donc je pense que nous passerons si chacun, chacun faire, hein. En réveillant. Non, je ne vais pas aller le réclamer, rassurez-vous. Donc, effectivement, mais je ne pense pas que qui que ce soit aura l'idée saugrenue de venir essayer de jouer les empêcheurs de tourner en rond. Surtout si nous votons aujourd'hui sur le texte de loi qui lui-même a été adopté, il n'y a pas grand risque à mon avis. Donc c'est avec plaisir que je voterai à l'instant même pour cette mesure. Merci mon cher collègue. La seule différence entre le 20 et le 28, c'est que l'Assemblée a adopté finalement le loi. Mais enfin, c'était joué puisque la commission mixte paritaire l'avait fait également. Et la seule modification, c'est que l'article 18... est devenu l'article 69. Par quel miracle, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Cet fameux article 18 dont on parlait depuis longtemps est devenu l'article 69 dans la dernière écriture. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres observations? Oui, Monsieur Clavry. Oui, mes chers collègues, Monsieur le maire. Oui, un vote favorable, c'est une manière pour moi d'être cohérent avec mon intervention de la séance de novembre dernier. Oui, un vote favorable parce que cette délibération ne fracasse pas, dans le fond, l'idée que je me fais de l'organisation des politiques touristiques à l'échelle du futur EPCI Pays Basque. Néanmoins, je voudrais porter ici quelques réflexions inspirées par la délib d'aujourd'hui. J'avoue que je me retrouvais assez bien dans l'esprit de la délibération votée le 21 novembre dernier. Cette délibération permettait aux offices de tourisme de devenir offices de tourisme intercommunaux à compétences communales. La spécificité, le savoir-faire, les acquis et la compétence construits année après année à Biarritz étaient reconnus comme un apport indispensable et fort pertinent dans la structuration des fameuses politiques touristiques à l'échelon du Pays Basque. L'interconnexion agissant dans les deux sens, à mon sens, un réel équilibre des choses était respecté. La délibération d'aujourd'hui qui nous autorise à conserver cette compétence est issue, j'estime, de la pression des grosses stations de ski alpine. L'aspect commercial y est sans doute plus prégnant, même s'il ne transpire pas forcément. Toutefois, je ne la vis pas comme un affaiblissement de l'intercommunalité Pays Basque qui pointe son nez. Elle autorise simplement Biarritz à améliorer, toujours et encore, sa capacité à être le fer de lance du tourisme basque en Iparralde, d'en être le porte-drapeau à travers la marque Biarritz Pays Basque, non pas par souci d'isolationnisme ou pour flatter un ego surdimensionné, mais tout simplement parce que notre commune, en la matière, a un temps d'avance qu'il ne faut pas perdre, dont il faut faire profiter l'ensemble du territoire basque. Mais aussi, car cette économie est fragile dans un secteur très concurrentiel et qu'il ne s'agit pas de perdre du terrain. Il s'agirait donc, à mon sens, que les élus biarrois qui siégeront à l'EPCI Pays Basque sachent porter ce message, le message d'un Biarritz compétent et fort au service du territoire basque. Car il n'est pas question d'isoler Biarritz, mais bien au contraire de faire largement profiter l'ensemble des compétences acquises, des spécificités, comme ça a été dit, et des outils mis en place ici. Biarritz aura donc en la matière un devoir d'exemplarité, car le Pays Basque s'enrichira demain de la somme de toutes ses compétences. Biarritz a besoin du Pays Basque autant que le Pays Basque a besoin de Biarritz. Merci. Merci, mon cher collègue. Je vous rejoins sur une idée simple, je crois que tous les aménageurs du territoire connaissent, c'est que lorsqu'on veut développer et faire progresser un territoire, la première des conditions, c'est de renforcer ses forces. C'est de renforcer ses forces et pas de les affaiblir. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, Monsieur Ortiz. Quelques petits éléments de réponse par rapport au surf, hein, qui rentrent dans cette logique de promotion du territoire. Mmh. Un travail est actuellement mené. Je vous tiens bien sûr informé, Monsieur Brisson, en tant que président du CDT, par les 5 offices de tourisme et par le CDT 64 pour... grossièrement copier ce que fait le golf, puisque le surf aujourd'hui est une activité mobile, hein. Quand on fait du surf, on va de Hendaye à Anglette, voire à Cabreton, à Hossegor, hein, puisque la zone de surf est celle-là. Donc effectivement, l'année 2017 sera l'année du surf, de ses 60 ans d'existence, et sur les champions du monde, on essaiera d'être fin prêt pour présenter de manière finale le contrat destination surf. Voilà. Donc il y a du travail, mais je m'y engage.
Merci, mon cher collègue. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas, je vous propose donc de décider que la ville de Biarritz, station classée de tourisme en application d'un décret en date du 27 juillet 2012, et ceci pour 12 ans d'ailleurs, au passage, conservera la compétence promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l'exécution de cette présidente délibération, et surtout de retirer la délibération numéro 6 et la publication du Conseil municipal du 21 novembre 2016, modifiant les statuts et le périmètre des missions de l'actuel office de tourisme et décidant de créer, à compter du 30 décembre 2016, un deuxième organisme pour assumer les autres missions de Biarritz Tourisme, les commissions commerciales. Donc toutes ces délibérations-là, nous les retirons, et de retirer aussi la délibération numéro 2 du 20 décembre 2016 relative au transfert des charges, avec la fameuse clette, le transfert des charges. Voilà. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? La délibération est acceptée en l'état. Alors on en vient maintenant à la dernière délibération qui concerne la désignation des élus représentant la ville. Vous savez que nous avons aujourd'hui à l'EPCI existant pour quelques jours encore, c'est-à-dire l'agglomération Côte-Bascadour, nous avons 7 représentants, dont un représentant de l'opposition, la personne de Max Brisson, et que nous devons décider d'en désigner 4. Alors, pardon, excuse-moi, j'ai pas fini. Hein. Bon, je vous rappelle les conditions dans lesquelles les choses doivent se passer, qui sont prescrites par le monsieur le préfet des Pyrénées-Atlantiques. La règle stipule que les conseillers communautaires sortants conservent leur siège. Seuls sont élus les conseillers communautaires supplémentaires. Une délibération élective doit donc être proposée au vote de votre conseil municipal selon les conditions suivantes. Il s'agit d'un scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les listes préparées à cette occasion peuvent être différentes de celles présentées en 2014 lors du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires. Ainsi, elles peuvent comporter des conseillers municipaux qui n'étaient pas fléchés vers l'intercommunalité lors du scrutin de 2014 et ou des conseillers municipaux élus sur d'autres listes. Ces nouvelles listes doivent respecter la parité, indépendamment de la situation parmi les conseillers précédemment élus. Ainsi, si le dernier conseiller communautaire élu sur la liste présentée en 2014 est une femme, la liste préparée pour pourvoir les sièges supplémentaires pourra commencer par une femme. Elles peuvent être incomplètes pour permettre aux oppositions municipales d'obtenir un ou des sièges dans le cadre du scrutin proportionnel. La loi ne précise pas de modalités particulières de dépôt de liste. Lors de l'élection, les listes sont bloquées. Pas de possibilité de modifier les listes, d'ajouter ou de supprimer des noms. Et la recommandation qui nous était faite était de procéder à cette élection avant le 1er janvier 2017. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà, mes chers collègues, les considérations concernant ce vote. Oui, monsieur le maire. J'aurais voulu vous demander une courte interruption de séance pour que je puisse avoir un échange avec différents membres de mon groupe. Très bien. Il faut qu'elle soit courte. Hein. OK. Interruption de séance. Nous allons reprendre nos travaux. Qu'est-ce que ça serait si c'était l'élection du président de la République, hein? Alors là, vraiment, excusez-moi, mais alors là, vraiment. C'est... Bon, alors, monsieur Lesca, nous sommes en présence de 3 listes. Hein? Pouvez-vous me les amener, que j'énonce le nom de ces 3 colistiers, de ces 3 listes. Voilà. Donc,
Il y a une liste, j'ai reçu une liste de messieurs Jean-Benoît Saint-Cric, Pierrette Echeverria, qui propose donc une liste composée de Jean-Benoît Saint-Cric et de Pierrette Echeverria, donc de noms, hein. Ok. J'ai reçu une liste composée de monsieur Patrick Destizon, de madame Pinatel et de monsieur Édouard Chazouillère, deuxième liste, et enfin une liste composée de monsieur Guillaume Baruc, de madame Mayalène Echeverry, de monsieur Éric Bonamy et de madame Stéphanie Ricord. Voilà donc les trois listes. Monsieur Lesca, vous allez distribuer. Vous avez eu le temps, je crois, de préparer ces différentes listes. Vous allez donc distribuer ces différents bulletins à chacun, en tenant compte, monsieur Lesca, des procurations, bien évidemment, l'enveloppe qui va avec, puisque ce scrutin se déroulera en un tour et à bulletin secret.
Monsieur Lesca, est-ce que les bulletins ont été distribués à toutes et à tous? On va donc procéder au vote. Je demande à Nathalie Sozo, Benjamin, hein, aujourd'hui, de venir s'asseoir ici et d'aider tout à l'heure, mais au dépouillement. Mais enfin, d'accord, voter, mais ensuite il faudra que ce soit toi qui procède comme scrutatrice au bon déroulement du dépouillement. Voilà. Faites circuler l'urne. Alors, attendez, il faut que je retrouve. Oui, oui. Attendez une seconde. Madame Montas vote pour elle et pour Richard Tarditz. Pierrette Echeverria vote pour elle. Jean-Benoît Saint-Cricq vote pour lui. C'est le cas de le dire. Maïder Arostegui vote pour elle. Frédéric Domège est absent. Bénédicte Darrigade, c'est Max Brisson qui a sa procuration. Max Brisson qui vote également pour lui une seconde fois. Sylvie Clarac, j'ai la procuration de Sylvie Clarac. Vous me la, je vous mets non, tout de suite non, ou tout à l'heure. Allez. On fait les choses dans les règles. Et voilà. Nathalie Sozo vote pour elle. Éric Bonamy vote pour lui. Laurent Ortiz vote pour lui. Frédéric de Baliencourt vote également pour lui. Anne Pinatel vote pour elle. C'est Ghislaine Hay qui a la procuration de Virginie Lannevert. Maïalène Echeverry vote pour elle. Louis Vial vote pour lui-même. Ainsi que Brigitte Pradier. Ah, vous allez... Ainsi que Hervé Boissier. Janine Blanco, alors là, vous allez faire du, vous faire les bras, les muscles des bras. Alain Robert vote pour lui. C'est Guy Lafitte qui vote pour Stéphanie Ricord. Édouard Chazouillère vote pour lui. Patrick Destizan vote pour lui, ainsi que Ghislaine Hay. Puis Michel Pouetz. Puis Régine Daguerre. Ici, elle est là. Ah oui, pardon, Pouetz, d'accord. Il commence à fatiguer, monsieur Lesca. Donc, Régine Daguerre, c'est fait. D'accord. François Migorena. Françoise Mimiag. Peyo Clavery. C'est monsieur Destizon qui vote pour Nathalie Motsch. Monsieur Baruc vote pour lui-même. Madame Castagnède. Monsieur Lafitte. Et moi-même. Voilà. Donc, nous allons maintenant procéder au dépouillement. Madame Sozo, scrutez ce dépouillement. Et monsieur Lesca, vous m'amènerez la liste une fois le dépouillement réalisé. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, pendant que se déroule ce dépouillement, mes chers collègues, je voulais vous lire ce texte reçu par le secrétariat général du gouvernement, faisant suite à notre conversation téléphonique. Je vous confirme que la loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne sera datée du 28 décembre 2016, c'est-à-dire aujourd'hui,
est publié au journal officiel du 29 décembre, c'est-à-dire demain. Les dispositions de cette loi, qui fixent notamment aux communes touristiques le terme du 1er janvier 2017 pour prendre une délibération du conseil municipal afin de décider de la préparation d'un dossier de classement de la commune, ça c'est pour les communes qui ne sont pas classées, se trouve dans l'article 69 de la loi, dans sa numérotation définitive. Donc, je vous confirme, comme on nous le confirme, que la loi dite Montagne sera datée d'aujourd'hui, jour où nous avons voté, et publiée demain, 29 décembre, au JO. Merci. Parfait. Ça y est ? C'est fini ? Alors, ah, ça y est, vous êtes prêts ? Ben, allez-y. Oui, dites-le. Voilà, tu dis, tu donnes et il va comprendre. Il ne comprend pas.
Ils ont un problème parce que ça ne fait pas le plein, à mon avis. Au terme de ce suspense haletant, sont élus Guillaume Baruc, Mayalène Etcheverry, Patrick Destizon et Jean-Benoît Saint-Cricq. Je tiens à votre disposition tous les éléments concernant le calcul qui a conduit à ce résultat. Voilà donc, mes chers collègues, quels sont les quatre futurs conseillers communautaires supplémentaires qui seront appelés à représenter la ville de Biarritz au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Basque dès le début de cette année. Je vous remercie de votre présence et vous souhaite un bon passage de 2016 à 2017. Merci.